Un croquis du géographie 100% numérique, tout en passant par la méthode traditionnelle papier-crayon. Alors tout commence par un texte. Voilà, c'est la nouvelle mouture. On produit des croquis de géographie à partir de texte. Très intéressant d'ailleurs. Le texte, le voici. Mais ce n'est pas tout. Ce texte est accompagné bien sûr d'une explication d'abord, l'insertion dans le programme scolaire, la problématique et l'annonce du plan. Voilà. Et des questions. Des questions qui suivent bien sûr le plan. Ces questions ont une aide. Vous allez voir la première aide, c'est le cartoflage prof SDLV. Alors ce cartoflage, c'est quoi exactement? Ce cartoflage est ici, vous pouvez créer rapidement des cartes. Et bien sûr, on vous indique lesquelles créer. Regardez comme c'est très facile. Vous créez une carte, je vous indique lesquelles. Sur ces cartes indiquées, vous trouvez la réponse. Mais ce n'est pas tout. Quand vous avez fini par répondre à toutes les questions, vous allez utiliser un autre logiciel, toujours gratuit, qui est ici le Mini Carto, qui va vous permettre de dessiner vous-même votre premier jet de croquis. Alors voilà, par exemple, on va tracer ici un trait rouge. Voilà. Et on va mettre cette partie en rouge. Voilà. On peut tracer bien sûr en bleu. Ça va être à tous les coups. Voilà. Ça, c'est en bleu. C'est mal fait. Donc je l'efface, je trace un trait, voilà, et je vais faire une flèche ici, voilà. Tout ça, je peux le faire, elle est trop petite, je l'efface, je prends la plus grande, et voilà. Vous avez vu? Très bien. Mais ce n'est pas tout. Quand vous avez fini avec le logiciel de produire un brouillon, le plus parfait possible, vous avez ici un logiciel d'autocorrection. Les mêmes questions que sur le PDF, vous répondez, ressources hydrocarbures, qu'est-ce que je donne comme réponse, figurée ponctuelle, voilà, vous avez une réponse complète. Pour, par exemple, les poissons, figurée de surface, évidemment, je vous donne la réponse, vous pourrez choisir. Si vous donnez la mauvaise réponse, ici, ce n'est pas bon, je vous explique pourquoi. Ici, figurée de flèche, ce n'est pas bon, je vous explique pourquoi, on a vu que surface était bon, c'est bon, je vous explique pourquoi, je poursuis, etc., 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 jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir vous auto-corriger et en même temps apprendre grâce justement aux explications que je donne. Ici, figurée ponctuelle pour le passage obligé, ce n'est pas bon, je vous explique pourquoi. Figurée linéaire, ce n'est pas bon non plus, je vous explique pourquoi. Figurée de flèche, c'est bon et je vous explique pourquoi. Ces explications permettent un excellent apprentissage. Merci, jusqu'à la prochaine fois.